טוב, מה זה חשוב? העיקר שנולדת. טוב, מה זה חשוב? כל הדברים האלה לא חשובים. לסנסיאל, עיקר. העיקר זה לסנסיאל. וההפך של העיקר זה התפל. Est-ce que tu peux me donner, oui, d'accord. Est-ce que tu peux me donner un mot avec Ayn Kouf Resh, la racine Ayn Kouf Resh? Ayn Kouf Resh Ikar. Ikaron. Beikaron. Oui, Ikaron, l'essentiel. Le principe. Le en principe. En principe, oui. Ouais. Ikar, mais... Ikar, c'est l'essentiel. Et là, je m'adresse à vous, les femmes. Ah, Akeret Bait. Oui. Il y a Akar Bait aussi. Oui. Oui, mais bon. C'est nouveau, non? On utilise plus Akeret Bait. Akeret Bait, c'est une femme au foyer parce qu'elle est l'essentiel de la maison. C'est pas vrai, c'est même pas de là. Tu veux pas dire d'où ça vient exactement. Et comment on dit une femme qui ne peut pas avoir des enfants? Ah, c'est ça, Akeret. Non. Non, Akara. C'est Akara. Parce qu'elle n'a pas l'essentiel. Ouais, c'est bizarre. C'est difficile. C'est dur. Ah, tu crois que ça vient de là? Pour moi. Moi, je pensais que Akeret, ça venait justement de stérile. Non, un homme. Akara, c'est stérile. Akara, c'est stérile. Une femme stérile. Quelqu'un de stérile. Parce qu'elle n'a pas, en fait, autant qu'une femme, elle n'a pas l'essentiel, c'est de. D'enfanter, je trouve ça très dur comment. Bien sûr. C'est vrai que c'est un mot qu'on trouve dans la Bible. Oui. Très souvent, à chaque fois que toutes les, comment dire, tous les personnages féminins bibliques, elles sont toujours stériles à la base et après elles ont un enfant. Sarah était Akara. Voilà, et c'est toujours ce mot qui revient, Akara. Okay. On ne le voit jamais au masculin dans la Bible. Stérile. Je pense que j'ai jamais vu. Non, c'est exactement. C'est toujours la faute de la femme. Voilà. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivri.